Qu'est-ce que vous rigolez? Tu veux que je te monte à l'air ou toi? Prends-le, prends-le, vas-y, prends-le, prends-le, c'est bon. Tiens, prends. Oh, ta caméra là, prends-le là. C'est ça, prends-le la caméra. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'avais sorti un tout nouveau clip. Je vous mettrai le lien en description. Merci à tous ceux qui viendront donner de la force. Des fois je me kiffe, des fois je me déteste, je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, j'en ai marre d'entendre des voix. Je suis perdu dans un monde sans issue, je peux pas faire de choix. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui a été vraiment très difficile à réaliser, qui nous a pris vraiment plusieurs jours. Donc comme vous allez le voir dans cette vidéo, on a réussi à choper et à piéger un voleur de voiture. Et voilà, à la base il y avait des abonnés qui nous avaient tout simplement contacté pour nous dire qu'il y avait un soi-disant voleur de voiture qui s'amusait à rôder sur certains parkings qui n'étaient pas équipés de caméras de surveillance pour commettre ces délits. Donc voilà, de toute façon pas besoin de vous en dire plus, vous verrez, la vidéo parle d'elle-même. Comme d'habitude, si vous kiffez la vidéo et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un like en toute cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures vidéos et à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de personnes. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Mikalash et on se retrouve directement là où tout a commencé. À l'équipe, on vient d'arriver tout simplement sur le lieu où le soi-disant voleur de voiture s'amuse à voler dans les voitures. Donc on a garé la voiture juste là-bas. Que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà le troisième jour qu'on essaie de le chercher. On le trouve pas. On va persévérer. Tant qu'on le trouve pas, on va revenir tous les jours et on va essayer de le démasquer. On va essayer de le piéger. Donc je vous explique, le piège, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la voiture ouverte parce qu'il s'amuse à essayer d'ouvrir les voitures. Il s'amuse à essayer de rentrer dedans, à essayer de les voler, etc. Donc on va laisser la voiture ouverte. Comme ça, s'il fait sa petite tournée, il ouvrira et il rentrera dedans. Qu'on va faire pour le filmer, c'est qu'on va cacher la caméra ici. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent à chaque fois, ouais, mais comment cacher la caméra, etc. Donc on s'arrange un petit peu avec le décor. Des fois c'est un caméraman qui se cache et tout. Là on a trouvé un bon angle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser sur le banc et on va mettre un petit peu de l'écharpe par dessus. Genre on va la recouvrir avec l'écharpe. Ça fera un peu genre une vieille écharpe qui traîne sur le banc et tout. Je pense qu'il cramera pas du tout le truc. Là on va placer un petit peu le délire comme ça. On va essayer de mettre ça bien. On va laisser la voiture juste là. On va se planquer un petit peu derrière là-bas. Essayer de guetter un petit peu, voir s'il arrive ou quoi. Et ce qu'on va faire aussi tout simplement, c'est qu'on va se caler une petite deuxième caméra juste ici. Donc voilà, on va tout mettre en place. Les caméras sont bien chargées. On va rester en planque. J'espère vraiment qu'on va pouvoir l'attraper. C'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir le choper enfin. Et voilà, franchement, sachez que ce genre de vidéo, c'est très très difficile à réaliser. Je vous montre un petit peu l'envers du décor comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si la vidéo vous plaît, à laisser un maximum de likes et à me soutenir. Vous savez que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et normalement, en plus, je crois que j'aurai sorti un clip à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à aller voir mon clip dans la description et à laisser un maximum de likes si vous voulez en voir d'autres. Je tente un autre style, un petit peu un autre délire. Vous allez voir. Donc bon, bah voilà, on a plus qu'à fermer la voiture. Enfin, on la laisse ouverte quoi. On va se cacher un petit peu vers là-bas, etc. Je vais faire mon petit troll. Franchement, on a préparé un bon petit piège. Ça va être assez marrant ce qu'on va faire. Après, il y a Armano aussi derrière la caméra. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube si vous voulez. Je mets le lien en description. Qui va intervenir et qui va un petit peu participer à ce piège. Enfin bref, du coup, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va se cacher comme je vous ai dit. On va se mettre en planque. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le choper. Je vous mets une petite coupure et on se reprend quand on arrive à le choper, si bien sûr on arrive à le choper. Donc là l'équipe, je viens d'allumer le micro, je suis caché juste derrière la voiture. Je crois que je vois en fait le mec là en train d'essayer d'ouvrir des voitures, il est tout au fond du parking. Donc, attendez, je vais essayer d'appeler Armano. Allô ? Ouais, tu m'entends gros ? Ouais, ouais, je crois que je vois le mec gros, je crois que je vois le mec. Tu le vois ou pas ? Il essaie d'ouvrir les voitures là. Ouais, ouais, vas-y, raccroche, raccroche. À tout. Il est passé devant la voiture là. Je me suis mis un peu plus derrière, un peu plus caché. C'est lui, c'est sûr à 100%. Il essaie d'ouvrir la voiture, quoi qu'il a ouverte. Ouais, ouais, il a ouvert. Je vais essayer de voir s'il est bien dedans là. Parce que je le vois pas en fait. Ouais, ouais, il est dedans, je crois. Il est dedans. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais, gros? Mec, ça va? Oh, gros, casse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, casse-toi? Là, je suis en train de faire mes pas et casse-toi. Qu'est-ce que tu fais, gros? Casse-toi. T'es en train de voler? Mon pote, casse-toi, là, qu'est-ce que tu fais, ça? Comment ça, gros? Gros, attends, je t'explique. Je t'explique. Mais bouge là. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge. Qu'est-ce que tu fais là? Bouge. Je t'explique, moi aussi je suis un voleur de voiture. Tu vois, toi aussi t'es un voleur de voiture? Mais vas-y, n'achève, le zin, dégage, qu'est-ce que tu fais là? Mais... je suis en train de faire les bails, laisse-moi sur l'eau. Mais de quel bail tu parles? Mais pas de quoi, qu'est-ce que tu fais? Frère, attends, je t'explique. Moi, la voiture rentre. Comment ça rentre la voiture? Moi aussi je suis un voleur de voiture. Écoute-moi, frère, deux minutes, je t'explique. Moi aussi je suis un voleur de voiture, j'ai repéré le parking, cette voiture je l'avais repéré depuis tout à l'heure. Le mec l'a laissé ouvert. Zin, je suis le premier dessus. Je le connais de vue, le mec à qui c'est la voiture. Il est parti au travail, il va revenir que ce soir. Que ce soir, on a toute la soirée. On a toute la soirée, gros. Après, on va manger un Burger King tranquille, après on fait ça. Arrête là, arrête, vas-y. N'achève là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Je viens avec toi, je m'en bats les couilles, je viens avec toi, gros. Vas-y, gros, vas-y, je veux voler aussi, moi. T'as pas les gants! De quoi, j'ai pas les gants? T'es un mongolien, hein? Mais pourquoi? T'as pas les gants, qu'est-ce que tu fais? Je sais rien, les gants, frère. Ferme la porte, doucement. Mais je te dis, je le connais de vue. Baisse la tête. Pourquoi baisse la tête? Il est parti au travail, frère, je te dis. Mais je m'en fous, gros! De base, là, je suis solo.
Qu'est-ce que tu fais là? On se reconnaît même pas! Je t'explique! Sors de la voiture, gros! Mais non, gros, je t'explique! Mais sors de la voiture là! Qu'est-ce que tu fais? Je t'entends de faire les bails là, tu me niques le plein là! Écoutez-moi deux minutes, frérot, je t'explique un peu, c'est bon, frère, je t'ai dit, le mec a quitté la voiture, je le connais de vue, frère. Il est parti au travail, il va pas revenir avant ce soir. Il a oublié de fermer sa voiture. Ça fait 3 semaines que je repère le parking, j'ai repéré tout le monde, j'ai suivi tout le monde. Mais vas-y, fais bouge maintenant! Non, frère, oh, je t'explique, je te dis direct. Tiens, mets tous les shots dans le sac. Prends un peu, touche un peu là. Mais frère, on a le temps, il revient ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ma main, gros? Qu'est-ce que tu fais? Oh, gros, qu'est-ce que tu fais? Mais viens, cache-toi. Non, c'est bon, on les a pas vus. Attends, je vais l'appeler. Madame! Mais ferme ta gueule! Mais qu'est-ce qu'il y a, gros? Ferme ta gueule, gros! Mais pourquoi? T'es malade, gros! Là, mec, moi, je suis parti, j'étais en prison, à Marseille. Ouais. J'ai pas envie d'y retourner, moi. Mais t'inquiète, tu vas pas y retourner, frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qui est con, là, ce paille? Mais pourquoi tu me fais toucher la voiture, frère? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, gros? Parce que, gros, de base, je suis solo, tu touches la voiture, tu touches la bagnole, tu mets ton ADN, on fait moite-moite. Comment ça, je mets? On fait moite-moite, ne pose pas de questions. Si je mets l'ADN, on fait moite-moite? Vas-y, frère. Viens, je te mets un peu d'ADN. Mais non, c'est pas moi la voiture! C'est bon, désolé, frère. Oh, frère, attends, écoute-moi. Écoute-moi, frère, je t'explique. On a le temps. Le mec, je t'ai dit, il est parti au travail, il revient ce soir. Je le connais de vue. Ça fait 3 semaines que je suis ici. J'ai fait tout le tour du secteur. Arrête de crier, arrête de crier. Moi, je veux 80%. 80%, je mets l'ADN, je mets 80%. Sinon, j'appelle les Condés. Je vais appeler les Condés, attends. Qu'est-ce que tu fais, frère? Touche pas mon téléphone. 80%, sinon, j'appelle les Condés, frère. On va voir. Tu fais le gay. Moi, je regarde un peu la voiture, la bagnole. Comment ça fait le gay, frère? Mais tu m'as pris pour qui, frère? Mais il est con! Tu sors de la voiture, de la bagnole, tu fais un peu le tour, tu regardes et s'il y a quelqu'un, tu me fais un sifflement. Mais comment ça fait le gay? J'ai pas compris. Mais non, tu fais le chou! Quel chou, frère? Mais tu fais le chou! Mais j'aime pas les choux-fleurs, frère! Comment ça fait que t'aimes pas les choux-fleurs? Tu fais le chou! Gros, arrête de crier, gros! Comment ça, le gay? Mais pourquoi tu veux choisir le gay? Ça va nous avancer à quoi, frère? Je comprends pas. Moi, à la limite, tu veux, je te fais un massage. Tu vois? Mais moi, je mange pas de ce pain-là, frère! Regarde ce qu'il a. Oh, y'a du parfum et tout. Gros, écoute. Ne pose pas de questions. Je te dis direct, gros. On a pas le temps, là. Je te dis direct, gros. Quoi? Moi, je mange pas de ce pain-là. Fais le gay, fais pas le gay, je suis pas le gay. Si tu veux, je te fais un massage aux yeux. C'est essentiel. Mais, c'est bon, je fais le gay, tu m'as gavé. Vas-y, je vais faire le gay. Je vais faire le gay. C'est bon, tu m'as gavé, c'est bon, je vais faire le gay, c'est bon. Putain, c'est pas possible, ce mec-là. Oh, mais qu'il est con, ferme ta gueule. Regarde là-bas, s'il n'y a pas des gens, tu me dis. Tu m'as demandé de faire le gay, frère. Quoi, le chou? Quel chou? J'aime pas les souffleurs, je t'ai dit. Je te parle pas de souffleurs. Mais je fais bien le gay ou pas? Non, mais c'est pas ça que je te demande. Mais qu'est-ce que tu veux faire, frère? Alors tu fais ça. Tu te mets comme ça, les mains dans les poches. Et tu regardes comme ça. Mais je suis pas gay, frère. Moi, tu me demandes de faire le gay, je sais pas, moi. Moi, je fais le twerk comme ça, genre. Mets-toi là-bas, tu regardes s'il y a des gens. Et là, tu me dis, tu fais un sifflement. Vas-y. C'est bon, vas-y. Je veux que je siffle. Qu'est-ce que t'as, frère? C'est quoi, regarde? S'il y a des gens, tu commences à taper des mains fort, ok? Vas-y, viens, on prend tout ce qu'il y a, on se casse. Vas-y. On fait moitié-moitié, hein. Ah, j'ai mis mes ADN partout, on fait moitié-moitié, je te dis. Vas-y. Alors là? Après, regarde à l'arrière de la voiture, je crois que j'ai vu quelque chose. À l'arrière? À l'arrière, va voir à l'arrière. Quoi? Je crois qu'il y a de l'espèce et tout. Je suis allé voir tout à l'heure en fait, c'était déjà ouvert, gros. Et je t'ai dit, le mec est parti au travail. Aïe. Oh gros, c'est. Oh gros. C'est quoi ça? C'est ton sac de. Ouais, c'est ma maille, gros. Pourquoi il y a du Viagra dedans? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes, mec? T'aimerais? Viagra, frère? Pas ça! C'est quoi Viagra? Mets tout ce que t'as dans le même sac. Mais c'est quoi dans le sac? C'est quoi le Viagra? Ne pose pas de questions. Je mets du Viagra. Pas toi. Mais non, ça j'ai chopé dans une voiture, putain. Mais tu mets du Viagra dans le dos. Mais je l'ai chopé dans la voiture d'un gros con de vieux de merde. Ah, c'est bon frère, calme-toi. Gros, maintenant prends tout, regarde, il a cassé. Vas-y, c'est bon. Regarde. T'es sûr là qu'il vient, ce soir là, hein? Ouais, il revient ce soir. Parce que là, moi, la prison, je l'évite là. Mais tranquille, y'a personne qui te connaît. Ça fait 3 semaines que je l'ai fait. Mais gros, t'es un débutant ou quoi? Touche pas ton téléphone. Mais c'est bon frère, là, vas-y, je. Mais gros, prends la maille là, dis-moi s'il y a des trucs. C'est bon, je vais regarder, occupe-toi de derrière. Touche-toi de derrière. Touche à tout, gros. Mais arrête! J'ai besoin d'argent, je veux de l'argent, ça. Lâche ça! Deux secondes, j'ai pas le temps, je suis le meilleur, je les mets tous à l'amende. Oh, j'ai pas de flow, mais je te mets. Des amendes sur tes clips, tu fais que 10 000 buts, c'est immonde! J'ai pas attendu de. Y'a quelqu'un, frère. Prends la voiture. Ouais, ça passe quoi là? Bah,
C'est ma voiture là. Oh, vous faites quoi? Eh, hey, hey, reste là, reste là, reste là. Et vous faites quoi là? C'est ma voiture, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Fais quoi là? Ouais. Fais quoi là? Ben rien, c'est mon collègue qui m'a dit le fusible, il faut le changer, je sais pas quoi. Comment ça, quel fusible? C'est ma voiture. Il m'a dit que c'était sa voiture. C'est quoi ma voiture là? Il m'a dit que c'était sa voiture. C'est ma voiture, c'est ma voiture. Il m'a dit que c'était sa voiture. Frère Fernandez, qu'est-ce qui se passe frère? Zin. Oh, tu m'as pris pour un con. Je vais appeler la police. Monsieur, je vous explique. Viens. Attends, monsieur, je vous explique. Vous pouvez me laisser partir. En gros, moi, j'ai rien fait du tout, monsieur. Le monsieur est venu me voir comme ça et je l'ai vu dans votre voiture en fait. Je l'ai vu. Monsieur, je l'ai vu en train. Monsieur, je l'ai vu en train de forcer votre voiture. Et j'ai vu le monsieur dedans en train d'essayer de voler. Et je suis arrivé et il m'a dit de faire le gay et tout. Je dis, moi, je suis pas gay, frère. Je t'explique de suite. Moi, j'aime les gonzesses. J'aime les bonnes gonzesses avec les bonnes formes. Comme ça. Il me dit de faire le gay, frère. Du coup, moi, j'ai commencé à briller du crâne, tu vois. J'ai commencé. Et là, quand je vous ai vu. Je peux lui parler deux secondes dedans. Vous l'avez demandé de faire le gay? Non. Comment ça vient? Comment ça vient? C'est ma voiture. Celui là, il m'a dit, ouais, je sais pas quoi, charge-moi les fusibles, il ramène-moi ça. Et moi, je sais pas, moi, je croyais que c'était sa voiture. Ah, bah, mais comment ça, j'ai jamais dit que c'était ma voiture? Tu m'as dit que les fusibles, ils allaient charger, tu m'as dit ça, mais quoi? Mais je t'ai rien dit du tout, frère, j'ai jamais dit que c'était ma voiture. Oh, c'est un thème, ouais, ce gars. C'est toi, t'étais dedans là. Oui, on va gérer, hein. Mais gros, tu vas pas appeler la police quand même, c'est pas moi. Appelez la police, il a voulu m'agresser, il m'a demandé de faire le gay, il m'a fait des avances, il a commencé à m'a touché les fesses. Il a fait le gay. Il a pas fait le gay. Bien sûr, j'ai fait le gay, je fais le gay comme ça là. Qu'est-ce qu'il raconte, gros? Il m'a demandé une chose, il m'a fusillé. Bon, je savais pas que c'était pas sa voiture. Mais bien sûr que si, t'étais dedans en train d'essayer de voler. Non, moi y a rien à moi dedans. Bon, écoutez, je vais appeler la police et s'il va gérer, c'est tout, voilà. Non, je vais t'expliquer deux secondes. Juste, j'ai vu la personne là, je marchais tranquillement. Et il m'a dit, rentre dans la voiture, aide-moi, change les fils, je sais pas quoi. Et ben moi, je l'ai aidé, c'est tout. Mais c'est pas vrai, frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, t'étais dans la voiture quand je suis arrivé. Mais, tu m'as dit ouais, de mettre mes empreintes et tout pour faire le partage. Écoutez-moi. Ouais. Bon, moi, n'appelle pas la police. Moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est son problème. Hein. C'est lui le problème, c'est pas. Attends, viens voir, regarde, j'ai la preuve. Viens voir, regarde. Viens voir. T'es sûr de ta version là? Tu m'as dit ça, non? Pas du tout, ouais. T'es sûr de ta version ou pas? La tête de ma mère que tu m'as dit ça. N'importe quoi, frère, t'es sûr de ta version? C'est lui, tombe de ma grand-mère. Viens à l'intérieur, regarde ça, ici là. Là, ça là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est la GoPro. C'est quoi ça? Ça t'a filmé depuis le début, gros. Oh, qu'est-ce que tu fais? Touche pas. Ça va, gros? Armano. Oh, les gars, genre. Qu'est-ce que vous rigolez, gros? Oh, je veux que je te monte à l'air ou toi? Qu'est-ce que la voiture, non? Ah, bon, attends, c'est toi le voleur de voiture là qui s'amuse à venir, à faire je sais pas quoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu voles des voitures comme ça? Je suis ma maille, gros. Comment ça, tu fais ta maille? La maille, gros. Donc, t'es à la rue, t'as besoin de. Yeah, j'ai rien besoin. Qui a besoin? Comment ça, qui a besoin, frère? J'ai pas besoin de ça. Et pourquoi tu fais ça alors? Ça va arrondir, j'ai fait un maximum de thunes comme ça. Il est malade, lui. Quoi, malade? T'es un malade, gros. Bon, maintenant, on va t'expliquer. On va t'expliquer, d'accord? Quoi, y'a les schmittes là? Non, c'est bon, on n'a pas appelé. On n'a pas appelé. On n'appelle rien. C'est pas pour nous. Ça te regarde pas, mon pote. Gros, les beaux mètres, j'ai plus envie d'y retourner. Laisse-moi partir. Comment ça, les beaux mètres, tu veux plus retourner? Gros, je suis déjà rentré, t'as vu? Ouais. J'ai rentré une première fois. Ouais. À cause de ça. Et pourquoi tu refais ça alors? Il est con celui-là, frère. Ah, t'es con toi. Ah, moi je suis comment? Ouais, un peu, frère. Bon, attends, maintenant je vais t'expliquer. Okay, tu vas te calmer, tu vas te calmer de suite. On va faire un truc. Soit tu te calmes un peu. Soit on appelle les flics. Non. Il est direct là. Regarde là, c'est quoi ça là? Ah, ils arrivent, hein? Non. Non, c'est pas pour toi, t'inquiète. Pour toi. Comment? Toi, là. Ouais, ou quoi, moi, gros? Ouais. Toi, tu fais le marin depuis tout à l'heure, hein? Comment ça, je fais le marin? Tu dis, ouais, je sais pas quoi, police, gros, je te demande pas rien. C'est toi qui t'amuses à voler les voitures, là. Tu comptes se rouler au sol? Je crois que c'est honnête de faire ça. Comment ça, on se roule au sol? Écoute-moi bien. Arrête de faire le marin, tu vas être dessus trop d'ancien. Redescendre, je vais t'expliquer direct. On va faire un truc. Soit tu restes tranquille, soit on appelle les flics direct. Si tu restes pas tranquille, je te jure, on appelle les flics direct, ils débarquent, hein. Écoute, non, t'appelles rien du tout. Ouais, tu vas te calmer? Viens, n'appelle pas la police. Tu te calmes, d'accord? Tu redescends sur terre. On appelle pas la police, on va faire autrement, regarde. On va proposer un truc. T'as vu la voiture de mon collègue là? Ouais. Elle est un peu sale, tu vois. Elle a besoin d'un petit coup de Karcher, tu vois. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu viens. Un serviteur, non? Comment ça, un serviteur? Bah, je vais faire quoi? Oh frère, c'est rien du tout. Je vais faire le carreau, je vais mettre quoi? Un caleçon? Maintenant, gros, écoute, on va faire un truc, tu vois. Là, tu vas redescendre, sinon on va appeler les flics. Tu vas venir avec nous, on va là-bas. Il y a le carrouage juste là-bas. Tu vas nettoyer la voiture de mon collègue, tu vas me mettre un petit coup de carrouage, tu vois. Tu vas bien la nettoyer, bien le stripper, parce que tu l'as fait du sale à cette voiture, gros. T'as vu, à toutes les voitures à qui t'as fait du sale, t'as essayé de les voler, t'as volé les affaires, t'es rentré dans les trucs intimes, les trucs personnels des gens. Mais je fais la maille comme ça. Tu fais la maille de quoi, gros? Tu voles des Viagra dans ton truc, frère, des. Oh, je les revends. Et comment ça, tu les revends, j'en suis. Tu t'en sers pour toi, gros, ça se voit, t'as des gaines, toi t'es mou un peu. Frère, ça se capte direct. Explication.
Si je fais ça, tu n'appelles pas la police. C'est bon, vas-y. Tu signales rien du tout. Vas-y, rentre dans la voiture. Et tu me donnes ta parole. Je te donne la parole. Viens, viens. Tu me donnes la parole. Hein. Vas-y, assieds-toi sur le siège bébé là. Ouais, sur le siège bébé, vas-y. Vas-y, assieds-toi sur le siège bébé. Vas-y. Tu seras bien là, tu seras à ta hauteur là. Là, tu seras à ta hauteur de petit voleur, tu vois. Là, tu vois, les petits voleurs ils sont là. Là, on va un peu te rehausser, tu vois. T'appelles pas la police. Non, c'est bon, on n'appelle pas la police. Parce que moi là, je suis dans la merde. Vas-y, vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Attends, on va t'enlever ça. C'est bon. Tu retournes pas en toi, tu vas juste nettoyer un peu la voiture et on te laisse partir, tu vois. Rentre, vas-y, ferme. Vas-y, je vais chercher la caméra. Parle-lui. Donc voilà l'équipe, on est arrivé au truc de carwash avec notre poteau. Ça va frère ? Mais filme pas, toi. Donc voilà, on lui a un petit peu expliqué les vidéos, etc. Je pense qu'il a compris. Ça n'a pas été facile. Franchement, je pense qu'on a affaire à un sacré personnage. C'est ça. Oh, et mon pote, t'as vu, toi, regarde, t'as vu là derrière la caméra ? Ouais. Je vais monter avec l'équipe, on va. Même pas je parle parce que là, bande de canettes que vous êtes. Hein ? Pas de choc dans la tête, pas de choc dans la tête. Tu veux faire quoi, gros? Tu vas laver des voitures? Vas-y, mets une torgnole, mets-en une, je l'attends, regarde. Je tends le visage, gros. Mets une torgnole, vas-y. Vous êtes deux. Je t'ai proposé un tête-à-tête, frère. Je t'ai dit, ouais, viens, on va là-bas, tu refuses. Je suis pas à domicile, gros. Vas-y, maintenant. On va filmer, vas-y, viens, on va te faire laver la voiture, c'est bon? Tu laves la voiture, frère. Tu fais le rinçage, lavage, brossage, finition, gros. Je veux même que tu cires la voiture, tu vois. Hop. Lavage, eau savon plus eau chaude. Je vais passer. Ah, viens là, viens. Tiens, mais je le passe, frère. Prends-le. Mais prends-le, frère. Prends-le, vas-y. C'est bon. Tiens, prends, frère, c'est bon, prends. Prends, je suis désolé, tiens. C'est bon, faire exprès, vas-y. Vas-y, nettoie. Bien propre, frère. Ah, il est pas bien, vas-y. Nettoie la voiture, frère. Ah, lui, c'est pas un trépanier, frère, c'est un poisson panier, gros. Mais regarde sa tête, frère. Hé, travaille, putain. Mais tu crois qu'il fait exprès ou pas? Oh. Ah, Armano. Ouais. Tu crois qu'il fait exprès? Je sais pas. Ah, tu crois qu'il a bu ou quoi, non, un peu? Il est bourré, non? Tu crois qu'il a consommé, gros? Il est pas bourré. Ok, l'enculé, vas-y. Déjà, ton pote, tu arrêtes de rigoler, tu l'encadres. Vas-y, nettoie. Alors lui, je le prends. T'as vu la cagette de sa tête, là? Vas-y, dame la voiture. Tu parles trop, gros. Pas trop pour rien. Je vais appeler la vidéo, je vais mettre en titre comment laver sa voiture gratuitement. Filmez, regarde, ouh, la belle voiture là, bien lavée. Là, bien les jantes là, un peu là. Tu vois, bien les jantes comme ça là. Quoi? Vas-y, les jantes, elles sont sales là. Quoi? Ta caméra là, elle prend l'eau là? Comme ça, elle prend la caméra. Vas-y, casse-toi. Viens. Il n'y avait pas la lumière à tous les étages, tu vois, je l'ai attrapé après là-bas. Gros, il est tombé, il est parti en courant, il s'est ramassé, gros. Il est tombé par terre, je l'ai attrapé, je lui dis, ouais, bon, gros, écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois. Il était pas net, du coup, je l'ai laissé partir, tu vois, tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, je pense qu'il aura un peu compris la leçon, tu vois. Après, voilà, franchement, c'est vraiment très grave ce qu'il fait, donc j'en profite de cette vidéo pour vous passer un petit message de prévention, pour vous dire de faire attention, etc. Méfiez-vous de ce genre d'individu, de ce genre de voleur, il y en a vraiment partout. Donc là, en l'occurrence, on a bien réussi à le piéger, on n'a pas été trop loin non plus, mais voilà, je pense qu'il aura un petit peu retenu la leçon. Et je vous avoue, franchement, qu'avec Armano, on a bien rigolé. En plus, maintenant, t'as une voiture toute propre, donc que demander de plus. Donc voilà, franchement, sinon, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes pour me soutenir si la vidéo vous plaît, vous savez que c'est le meilleur moyen de me soutenir, à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures vidéos, et franchement, merci à tous ceux qui donnent de la force. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui a vraiment pas été facile à tourner. Vas-y, coupe la vidéo, c'est bon, ça s'arrête là. Laisse ça dans la vidéo, mec. Des fois, je me kiffe, des fois, je me déteste, je comprends pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'en ai marre d'entendre des voix. Je suis perdu dans un monde sans issue. Je peux